Bon, allez, on va y aller. Hop. Pouf, pouf, pouf. Clic, clic. Clic. Transition. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est vendredi soir, 21 h. Quelques secondes près. Nous sommes le 9 juin. Comme ça doit être écrit en bas à droite. Tout à fait. Ce soir, on va. Revenir sur quelque chose qu'on avait fait, ça devait être le deuxième stream sur YouTube encore à ce moment-là, où j'avais réussi à sauver la fin du live pour faire du DNS dynamique sur OVH avec un déploiement un peu bizarre sur du Kubernetes que j'avais fait à l'arrache. Et donc là, ce soir, l'idée, ça va être de reprendre plus ou moins ce truc-là et de créer un dépôt Git sur mon Gitty personnel et de configurer un miroir sur GitHub. Dans un premier temps, je pense qu'on va faire ça, parce que c'est ce qui va intéresser peut-être le plus de monde. Mais aussi GitLab, parce que GitLab, la fonctionnalité est aussi supportée. Donc on va voir comment ça marche, et puis ça devrait bien se passer. Du coup, sans plus attendre, on va passer au bureau. Hop. Alors, desktop. Clic. Donc, voilà. Donc à l'époque, on avait très rapidement. J'avais défini trois fichiers YAML, un secret, un configmap dans lequel il y a simplement le nom du domaine et le cron job qui faisait le boulot, si on s'en souvient. Hop, je vais fermer cette fenêtre-là. Quoi? Quoi, 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 quoi. Ah, pas de bêtises, il y a quoi là-dedans? Non. Non, on s'en fout. Hop. Fermer ça. Et puis on va reprendre ça. Voilà. Donc on a le cron job. Le domaine qu'on a là. Et. Les credentials, sachant que tout ça c'est plus bon parce que tout a été supprimé depuis. Et je voulais en faire un chart Helm. Oui, voilà pourquoi. Du coup, dans un premier temps, je pense qu'on va faire le chart Helm. Comme ça va permettre de variabiliser tout ça. Je sais pas encore trop comment gérer les credentials. Soit on indique des instructions pour créer le secret à la main. Après tout, c'est un secret classique de type opaque. Il n'y a pas de grosse spécificité là-dedans. De toute façon, si on le démarre comme ça et qu'il n'y a pas les credentials, le job va juste fail jusqu'à ce qu'on ait créé le secret. Donc bon, je pense qu'on va pas s'embêter plus que ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme version de Helm là? 3.7.2. Voyons voir, on va bien s'installer un Helm plus récent, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a du 3.11, 3.12. Ouais, bon, on va prendre. Est-ce qu'on va prendre le dernier? Il date de quand le dernier, tiens?
Le 3-12, il date du 10 mai. Bon, je pense qu'au bout d'un mois, s'il y avait eu un problème avec, on l'aurait su. Alors, hop. Ça. Voilà. Alors du coup, quand on veut créer un chart Helm, on a plusieurs possibilités. Soit on fait tout à la main, soit on peut avoir une sorte de squelette que Helm va créer pour nous. Et il me semble que si on regarde la documentation, ça va être... Non, ça c'est pas ça. Et bien ça. On va pas aller jusqu'à de l'auto-publication, etc. L'idée déjà de base, c'est de créer un nouveau chart. Donc c'est Helm Create. Ok. Alors, on va faire Helm Create OVH- Dinhost, on va l'appeler comme ça. Donc il nous a fait ça. Par quoi ça se traduit? Ça se traduit par... Ah, le problème c'est que vous voulez l'avoir en petit. Donc du coup, on va le faire là. On a un dossier OVH Dinhost qui a été créé. Et ce dossier contient la liste des fichiers. Donc on a la définition du chart, dans lequel on va avoir le nom, un API version, et après, type d'application, le numéro de version, etc. etc. Bon, ça, je vais laisser un peu par défaut pour la première version, je pense. Ensuite, dans le chart, il n'y a rien, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Et le plus important, c'est ce qu'il y a dans template, parce qu'on va retrouver quelques modèles de fichiers qui pourraient être intéressants, même si nous derrière on va pas tout réutiliser, parce que derrière on n'expose pas une application, on déploie quelque chose là-dedans qui va tourner dans son coin sans qu'on ait besoin de d'y accéder autrement que via les commandes kubectl. Et puis je pense que pour ce soir, on va se passer ça. En vrai, à part pour montrer à quoi c'est censé ressembler un chart Helm, on va pas garder grand-chose au final. Le HPA, vu que c'est pas quelque chose de résident, on va pas avoir de déploiement, on va pas avoir de HPA, qui est l'horizontal pod auto-scaling, puisque on a juste un pod qui va se lancer toutes les 5 minutes, ou moins si on a envie, pour... pour lancer la vérification de l'adresse IP et lancer la mise à jour côté OVH. L'ingress, ben, comme je dis, il n'y a pas de résident, on n'expose rien, donc le service et l'ingress, on s'en fout. Et le service account, en vrai, je suis même pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. En soi, on peut éventuellement, éventuellement garder ça si on le crée, d'accord. De toute façon, on va avoir un peu le contenu des manifestes qu'il a créés, enfin des templates, avant de jeter tout plus ou moins à la poubelle. Et il y a aussi des helpers, je vois qu'il y a putain, 2 kilos de helpers, il y a quoi là-dedans? Il y a beaucoup trop de choses. Ok, il crée le nom. Ok. Il crée, il trim suffixe, d'accord. Pourquoi pas.
Il va aller créer un nom. Il va créer un full name, d'accord. Il va créer une série de labels avec la version d'une charte, etc. D'accord. Donc il va chercher. Par défaut, il va prendre le full name pour le service account. Sinon, il prend une valeur qu'on a créée, qu'on a dans le fichier de values. Ce fichier de values, là, il est là. Et dedans, on a le name override, le full name override. Et par défaut, il prend Nginx. Bon, là, en l'occurrence, on n'en aura pas besoin. La configuration de l'ingress, on n'en aura pas besoin non plus. Le service, on n'en aura pas besoin. Les ressources, on en définira peut-être pour l'exercice, mais sinon, ça sert à rien. L'autoscaling, j'en parle même pas. Et par contre, on va peut-être garder et reprendre tout ce qui concerne l'affinité, les tolérations, le node selector, du deployment pour mettre ça dans le cron job. Parce que bon, le cron job, on va le voir, il est minimaliste, hein. J'ai vraiment pris le minimum vital pour que ça se lance, et c'est à peu près tout. Donc ouais, on va revoir tout ça. On va intégrer ça du coup dans le chart. Le dossier de test, on va le tester tout de suite. Hop. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Le helper, on va les garder du coup. On va essayer de faire ça, puis on va essayer de. Ah, j'arrive pas à mettre le Alt Shift 2, il passe pas, donc c'est pas. Hop, voilà. On va se garder notre cron job original d'un côté. On va renommer. Parce qu'on est des gros violents. Le deployment en cron job. Et on va essayer de transformer hop, le cron job. Et on va avoir besoin de variables, etc. Donc, ok. Donc il va falloir qu'on adapte des trucs. S'il n'y a pas d'autoscaling, il faut qu'on mette les réplicas, d'accord. Donc ça va sauter, hein, parce que on n'a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Déjà, ça c'est fait. Le sélecteur, il faudra qu'on regarde l'aspect du cron job. Parce que à mon avis, ça va être ailleurs. Ensuite, on a besoin. On va avoir très vite. Besoin du schedule qu'on va variabiliser, donc on va le mettre là, on va le rajouter là tout de suite. Hop, schedule, et on va se mettre ça dans un coin. Je vais mettre là. Voilà. Là maintenant, pour appeler une. Voilà. Hop. Puis on va forcer les côtes. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Alors. On a. Alors, c'est pas un template, c'est un job template. Liveness, readiness, on va les taquer tout de suite. Parce que pas besoin.
Les porcs, on va les taquer. Pas besoin. Poulpe ici. On est bon, donc ça, on va le garder. Le repository. Hop. Ça devient ça. Ça, c'est bon. Et après, c'est les commandes. Donc là, ça va être autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux aussi créer si on en a besoin. Ça va être dans le spec template. Ouais. Il se passe quoi si je fais un... Ça va pas marcher, ça. Oui, ben oui. Oula. Non, c'est bon. OK. On a jump template, le name, spec template, création, d'accord. Après, nous allons directement spec container. On a les images. On n'a pas l'image pool police ici, là. On n'a pas tout. Oh, punaise. Ah oui, d'accord. La vache. Il prend le schedule, il en a rien à foutre. Ok, bon, pourquoi pas. Ok. La violence. Ouais, donc on n'a pas énormément plus d'infos. Bon, on va aller choper la référence de CronJob Kubernetes. Est-ce qu'on a le truc? Kubernetes, CronJob. Je n'ai pas plus d'infos que ça. What's next? Format schedule, running en automatique, cron job API référence. Voyons voir.
Donc la notion de sélecteur, elle est pas pour tout de suite. On va y aller doucement, on va faire ça, et puis on va reprendre notre job template. Le job template, on a des metadata qui vont être les mêmes. Donc là, moi, j'en ai pas du tout, mais je pense qu'on va reprendre ça. Oh là 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 là, je mets toutes les lettres dans le désordre. J'ai pas encore mangé, c'est une catastrophe. Je t'ai fait une visite d'appart, je suis rentré un peu tard. Et du coup, j'ai pris le temps de préparation pour essayer de bricoler le micro pour que ça s'entende mieux. J'espère que ça s'entend mieux. Parce que sinon. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on en était? Alors, ça y est. Spec, job spec, template. Ok. Dans le template, on a besoin de metadata. On va reprendre ça avec les labels et les annotations. Donc on va faire ça. On va le décaler pour que ça matche. Voilà. L'indentation. Et après, on passe au spec avec les containers et tout le bordel. Après, c'est le job spec. Après, on a le schedule qui va venir aussi. Eh ben non, j'ai déjà mis le schedule, je suis con. Il est là. Ça bouge pas. Time zone. C'est vrai que là, on l'a pas défini. On y était un peu comme des furieux. Time zone, time for given schedule. Je pense qu'on va faire ça. Comment. Ok, ouais, je vois. On va le mettre en variable. On va l'appeler directement time zone. Quoique, c'est dans le. Oui, non, là, on l'a pas là. Oui, bah parce que c'est que l'objet job. Oui, donc là, voilà. Donc on va faire ça. On va l'appeler. Donc je lui ai déjà mis un nom. Je lui dis time zone. Puis par défaut, allez, on est des sales français, donc on va mettre Europe Paris. Et du coup, on va rajouter avant l'aspect. Donc, ce qui est dû, on va mettre là. Time zone. On le met comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et hop. Point values. Point time zone. On va faire pareil. On va coller des côtes. Voir ce que ça donne. Du coup, on en est où? Sélecteur, je me le garde encore dans un coin. Puis on va pouvoir attaquer la spec qui est au même niveau que Metadata, c'est-à-dire là. Hop. Et là, on va pouvoir attaquer le container. Alors, on va aller voir le job spec, histoire de pas se planter. Donc, le template, ça va être ça. Metadata spec. Oui, template spec.
Jobstar, Spectre, ok, oui, d'accord. On y est. Après, on est sur un pot de template. Et le pot de spec. Et donc là, on va avoir les image pools secrètes, ça va être là. D'accord. Ah non, d'accord, ok. Ça va être directement là. Donc on va reprendre ça. On va reprendre ça aussi, hein. Ma foi. On va pas s'emmerder. Le security context aussi. Donc on va reprendre tout ça. On va le remettre là. Et puis on va l'indenter bien comme il faut. Oh putain. Ah oui, il faut que je fasse gaffe. Il y a l'indente là, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là, faut pas que je me vautre. Là, ça va être 12 aussi. 2, 4, ouais, donc ça, c'est bon. Là, on est 2, 4, 6, 8, 10, 12 aussi. On va se vautrer, hein. Là, on est à 12, pareil. Voilà. Vache. Du coup, où est-ce qu'on en est? On en est à. Ben maintenant, je peux attaquer la liste des conteneurs. C'est ça qui va là. Le conteneur, j'avais mis quoi comme nom? Ouais, j'avais fait ça. Donc, on va reprendre ce concept-là. On va reprendre le security context. L'image policy. L'image. Ah, il n'y a pas de tag. J'ai quoi dans le image.tag? Tag vide. D'accord. On verra bien. Dix, douze, quatorze. Il faut vraiment que je décale d'un cran. Donc là, on a ça, défaut, point de charte, aperçu. Ouais. Je sens que dans le tag, on va faire ça. Après tout, on n'en a pas besoin. Ensuite, ah mais tout ce qui est sélecteur, je m'en bats les couilles en fait. Bah oui, c'est là où c'est important. Tout ce qui est note sélecteur, affinity, tolération et ressources. On avait dit qu'on les gardait, mais il faut qu'on ramène du coup, par contre, ce qui nous intéresse. Donc. L'image, c'est fait. C'est toute la partie commande dont on va avoir besoin. Avec l'environnement. Alors, non. Non, pitié. Modifie rien, s'il te plaît. On va avoir ça, le restart policy. C'est au niveau des containers, donc ça va être là. Parfait. Mais j'ai pas fini ici, parce que il faut que je récupère aussi. On a dit bah, toute la partie commande.
avec ça, s'il te plaît. Merci. Donc normalement, on est pas mal. Ça devrait le faire. Regardez ça comme ça. Là, je vais juste bidouiller un truc. Puisque on a tout avec les noms. Je vais reprendre ça pour la partie création des secrets et du config map en les suffixant. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Alors là, ça va être le foutoir. Il faut que je récupère les trucs. Ouais, le node selector, c'est ça, c'est au même niveau que container, donc il va falloir que je décale tout d'un cran. Que je me mette la ligne. Ah oui, même de deux crans. Voilà. Les ressources. Ça va être tout. Lifecycle, readiness gate, non. Name, non. Namespace, non. Resources. Ça, c'est dans le pod, ça. Je le sens mal. Je sens que ça va être un peu une boucherie au début. De toute façon, au niveau des values, on a quoi? On en a au début. Même pas, les ressources par défaut, on met rien. Je vais faire exprès de décommenter ça parce qu'on va en avoir besoin au début. Puis de toute façon, c'est largement suffisant. Ça va nous permettre de valider après. On va voir comment on fait pour. Il faut que je vide ça. On va voir comment on fait pour simuler le manifeste et voir s'il passe. Mais ça va être quelque chose. Alors, on en était. Revenir à notre cron job. Ce qu'on doit refaire, toute l'indentation. On a dit que ça, c'était censé être au niveau de container avec le node selector. L'affinity, la tolération, et par contre, on va refaire, on a tout ça, alors, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, ok, ça doit faire 16, ça fait 12, et donc ça aussi, voilà. Et donc normalement, ça, je vire, on n'en a plus besoin. Ça, c'était pour le cron job. Ensuite, le HPA, on a dit, on n'en a pas besoin. Donc, je le tège. L'ingress, on tège. Hop. Le service, on dégomme. Donc, on a gardé le service account, le helper. Et on va se baser sur tout ça pour créer notre config map en reprenant le modèle avec les valeurs, etc. Et il faudra, c'est là où je me demande si ce qui m'embête, c'est la gestion du token. Si je le passe à la livraison de Helm,
On met le token dans un secret, de toute façon, au niveau de Kubernetes, qui n'est pas d'une sécurité très grande, on va pas se mentir. Mais par contre, si on le passe en values de Helm, il va finir dans un secret, de toute façon. Parce que la valeur elle-même, elle va être stockée dans le secret Helm qui correspond à la livraison. Donc, puis bon, l'extraire, j'ai fait il n'y a pas si longtemps, c'est une tannée. Et par contre, il peut se retrouver dans un historique de ligne de commande. C'est un peu chiant. Ouais, je pense qu'on va le faire comme ça. On va être un peu. C'est pas parfait. Ça va être là une première version de toute façon. Alors, on va faire. On va les. Co on copie. On copie. On recrée de zéro. Ouais, on va copier. Alors. Config map. Template. Et on va. Copier le secret. Je vais appeler credential. Voilà. Donc là, on s'est recréé. On a copié les fichiers. Et par contre, et c'est là où ça va être intéressant, on va devoir reprendre. On va pouvoir reprendre plein de trucs. De ça, voilà. On va se remettre notre cron job fini. On va virer l'ancien dont on n'a plus besoin normalement. Normalement. Et donc là. Alors. Metadata.name. Pouf. Ensuite. Visuellement, je préfère le faire comme ça. Voilà. Création timestamp, on s'en bat avec. Les labels. On va les reprendre. Voilà. Ensuite. Ensuite. Bon, on va faire directement ça. Et c'est là où on va faire. Je sais plus si on met des quotes ici ou pas. Ce qu'on a besoin. Non. Hein. Non, là j'en ai pas mis dans l'ancien, de toute façon. Ouais, voilà, je l'avais foutu à l'arrache, donc non. Donc on n'a pas besoin. Donc on fait ça. Et du coup, dans notre values, on va définir une valeur par défaut pour le domaine. Qu'on va la mettre, on va la mettre là, de toute façon on va continuer. On classera après une valeur vide, parce que pourquoi pas. Ensuite, ça, a priori on n'a pas besoin de plus. Et au niveau du secret, le secret s'appelle -credentials, donc on va reprendre. Le délire. Hop, de include full name tiret credentials. On a peut-être besoin de. Est-ce qu'on a besoin de faire. Non, ça vient du helper, donc on n'a pas besoin de bricoler plus que ça. Ensuite. Pareil. Hop. Concerne. Voilà. Autre truc. Alors, normalement pas besoin, mais je vais me rajouter ça parce que j'ai déjà eu des soucis ici dans le passé.
Avec des charts qui faisaient des trucs chelous. Et donc là. Point value. Je vais créer une section. On va créer. Plutôt que de mettre domaine, on va mettre dinhost 2 points. On va mettre domain. Ah, on va le faire comme ça. Et donc ça va être dinhost.credentials. Et donc ça, on va indiquer que c'est à passer de manière explicite au chat. Au chart au moment où on l'installe ou qu'on le compile. Bon, on est pas mal. On n'est pas si mal que ça. Est-ce que... Qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'est le values. Là, on a dit ouais, ça. De toute façon, j'avais que ça, j'ai que trois fichiers. Ouais, bon, on a tout ce qu'il nous faut. Du coup, dans tout ce que j'ai skacké, c'est qui? Alors, service account, ça on a gardé. Pod annotation, on a gardé. Pod security context, on a gardé. Service, ingress. Hop, ça a sauté. L'autoscaling, ça a sauté. Et tout le reste, par contre, on va en avoir besoin. Ok. Du coup, on a notre schedule. On a notre domaine. On a notre variable pour le domaine. On va. Alors, d'habitude, il faut mettre des commentaires pour dire coucou. Quel format? On va faire ça. Hop. Domain parameters. On va rajouter encore domain deux points de dynamic host point two. Et on a dit credentials to be passed. Token best to command line with tiret tiret set in host.credentials. C'est pas le format, l'état de l'art, mais bon, voilà. On va le faire comme ça, c'est mieux que rien. De toute façon, il y aura le README à mettre à jour aussi. Et là, on est censé avoir tout ce qu'on a besoin comme manifeste pour le chart. Du coup, je vais tenter un truc. Elm template. Si je fais ça, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans les notes.txt, il y a quelque chose? Comment ça? Get the application. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on s'en fout. On va le jarter. Hop. Je pensais que c'était un vrai fichier de texte qui ferait chier personne. Et il s'avère que si. Alors, du coup, il nous a dit Mapping values are not allowed. Ok. Donc, il a râlé. Ligne 41. Ligne 41. À tous les coups. Non, ça va pas être ça. Il nous dit debug flag. Alors, debug. Qui nous claque ça. Et c'est un problème dans le config map.
D'accord. Parce que le domaine, il est vide. Ça. Alors, tac tac tac. Hop. Alors là, il craque le truc. URL should be in form repo name passed to chart. Là, on s'en fout. Non, parce que du coup, part comme ça. Et oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est la même. C'est le même délire. Est-ce que j'ai branlé? Ah bah oui, quel boulet. Hop. Voilà, évidemment, si on met pas les bons trucs, ça va pas bien se passer. Là j'ai le domaine et là il gueule. Ouais, bah là le cron job ça va être quelque chose. J'ai tellement fait de la merde avec Parsera ligne 41. Le problème c'est que là même avec ah si là il m'affiche quand même. Et en fait l'astuce c'est que ça. Oh la vache. Oui c'est dégueulasse. Ah oui il manque des morceaux. Évidemment. Évidemment. Il manque des bouts. C'est affreux. Alors ça n'a rien à faire là. Éventuellement, on va le remettre là. Ensuite. Il manque un. C'est quoi ces resources? 5 au niveau du pod. Resources point limite. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui est au même niveau que le volume. Qui va être à ce niveau-là. Ah oui, donc en plus, je me plante, c'est 14. Ça va être comme ça. Alors, ce que ça dit. Non, c'est la même. Il cherche un 2 points. Parce que j'ai fait quoi? Bah oui. Et ben voilà. Il n'y a plus d'erreur. Oh, bon, j'étais pas si mal. Ça va, je me suis pas démerdé. Pas mal démerdé. Alors, enfin, en tout cas, ça a généré un YAML valide. Est-ce que maintenant c'est des manifestes qui sont valables au niveau de Kubernetes? Ça va être quelque chose. De voir un truc. La gueule. Cherche une URL directement. Ça que je Oula, gros doigt. Hop. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Invalid argument. Test release for release name. Pourquoi il veut pas?
Il aime pas le tirer, peut-être. Est-ce que c'est revient du... J'ai un petit doute. Ouais. On va dire que c'est revenu. On va dire que c'est revenu. Allez, hop. Alors non, pas desktop. Si, c'est desktop. J'en étais où, du coup? Putain, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas fait ça. Du coup, hop, on va remettre ça. Du coup, il m'a pas enregistré le truc. Ok, voilà. Il a repris un truc qui allait bien. Oui, c'était le release name, j'ai pas compris comment ou pourquoi. Ah ouais, non, ça c'est pas la bonne valeur par contre. J'avoue que ça va être juste le name. Dans le LP, on avait quoi? Hop. Dans le helper, il nous fait un point name. On va peut-être prendre juste le name dans ce cas-là. Si on met ça à la place. Parce que là, le problème, c'est que il nous met quoi? Il nous dit voilà, release name-ovh-dinost. Ouais, en vrai. Est-ce que ça se garde ça? Si je mets plutôt. Si là, dans le cron job, je mets juste name. Au niveau du cron job, il s'appelle juste ovh-dinost, du coup. Plutôt que release name-ovh-dinost. Mon cœur balance. Mon cœur balance. Vous êtes pas beaucoup ce soir, donc du coup, je suis compliqué de vous demander. Quand je fais le Helm template. Je mets le nom, chart, les flags. Ah oui, d'accord, ok. Je suis utilisé de l'or comme ça. D'accord. D'accord. Bon, on est pas mal. Est-ce que je ferais pas un dernier truc qui est de variabiliser? Ce truc-là.
Ça va marcher, ça. Ah oui, bah oui, non. Non, ça va marcher comme ça. Ça marche comme ça. Ok. Bon, on va laisser comme ça. Pas s'embêter. Hop. 20. Du coup, on va rajouter bout de duck. Hein. On est pas mal. Est-ce que je tenterai pas? Alors de toute façon, ça marchera pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vérifier que ça déploie comme il faut. Du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va virer ça et on va faire Helm upgrade tiret, tiret, install test set dinhost set dinhost.credentials égale pouf. Je suis pas sûr que ça passe bien comme ça. On va faire ça pour voir. Ouais, bingo. Alors. Ah ouais, elle est magique celle-là. Un problème avec le contenu du token. Elle est originale celle-là. Ce sera à cause de la version de Helm. Tu me diras, je suis toujours en cube 1.21, donc peut-être que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est quoi? C'est. Je me souviens plus. Non,
puis il tirait ressources. Voilà. Ah! Quel couillon. Évidemment. Il est sérieux là? Jeu de template, schedule, time zone, elle est là. Je comprends pas. Ça devrait être au même niveau, au bon niveau. Ou alors c'est. Il se serait planté dans le truc là. Il retourne, hein. Ah, ou alors le time zone n'existe peut-être pas en cube 1.21. Ah. Si je fais ça, du coup. Ah, j'avouerai. Ah, là, c'est passé. Ok. Oui. D'accord. Ok. Il a bien tout déployé. D'accord. Ok. Alors. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire en plus. Non, bah c'est ça. Ça, c'est bon. Moralité, on y a passé 1 heure. En même temps, ça devrait s'exécuter dans 2 minutes et ça devrait voter parce que tout est mort. On va dire qu'on va le garder comme ça pendant qu'on attend que ça s'exécute et que ça vote. Raté. Hop, faire ça, le remettre en dessous, le zoomer. Hop.
Ouf, ça vous voyez. Bon, j'ai gardé les vieux trucs et j'ai tout viré. On va se faire un mini readme. La doc du linhost. Tac. Voilà. Faire ça. Je crois que c'est comme ça. Et ça ensuite. Voilà. C'est un premier jet, hein, donc ça va être vraiment du minimaliste, bien comme il faut. Ok, donc là il a tourné. Le job va gueuler. You supply the wrong credentials, c'est normal. Et donc ça a tourné. Donc parfait. Donc là on est pas mal. Je pense que. À part donner la gueule de la commande pour l'installation du truc. Need to provide at least two parameters to the dossier vide, on va le tèche. Hop. Et au plus simple, on va faire ça. Hop. J'ai même pas besoin de les passer en base 64, je suis con.
Voilà, ça va être un peu premier jet, un peu dégueulasse. Mais bon, on a le bon truc. On est pas mal là. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, deuxième étape, on va enfin se pencher sur de l'interface graphique, puisque on va créer un dépôt Gitti qu'on va appeler. On va l'appeler comment? OVH-dinhost-dinhost. Allez, on va le faire comme ça. Short description, nchar to deploy. Job for OVH in-host management. Hop, comme ça on n'en parle plus. Il n'y a pas de template, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de git ignore, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de readme, on n'en met pas. De toute façon, on s'en fout. Pouf, pouf, pouf. C'est moi le owner, effectivement. On n'y touche pas, on crée le dépôt. Ensuite, voilà, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, maintenant que le dépôt existe, on va la rajouter là. Alors, hop, je suis un flemmard, je fais ça. Voilà. Donc là, il nous dit coucou, on rajoute tout ça. Ok. C'est ça qui m'a foutu sur master, ce con. Bon, c'est pas grave. Tiret M. First try. C'est pas fou, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. On va faire ça. Et oui, je sais, sur du git récent, on fait un git switch. Hop, et nous voilà avec main. Donc là, on a notre dépôt avec notre charte, un micro doc. Et comme ça, le lien est pas bon. Ouais, bah oui, normal, je mets deux fois le même truc. Oh la vache. Git branch-d master. Ça on n'en parle plus. Hop. Quoi? Oh non, c'est nouveau ça. J'ai des problèmes de copier-coller sur les fenêtres qui sont lancées dans le WSL. Oh là là. Ah, si je fais ça, copier. Je tente. Non, là ça passe. Ah, mais c'est... D'accord, ok. Je vois. Il faut que je fasse ça comme ça. Voilà. Et donc là, si je tente un truc... Je vais virer ça en dessous, j'en ai plus besoin.
Fixe doc URL. Et je push. Hop. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape. On a dit synchronisation vers GitHub. Alors, déjà, on va se connecter à GitHub. Ah, je suis pas connecté. D'accord. C'est pas grave. Il y a des... Oh là, il faudra que je change le mot de passe. On a beau voir de la double autante. Le mot de passe, quand même, il me paraît un peu court. Ça, on le changera plus tard. Téléphone, on fera la mise à jour plus tard. Code. Alors. Hop. Non, raté. J'ai des gros doigts. Alors, pouf, 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 confirme. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Repositories, où est-ce qu'on... Tac, tac, repositories. On a plein de trucs plus ou moins intéressants. Pour ce que ça fait là, ça. 2019 en plus. Du coup, on va... Alors, on va peut-être se servir de la doc de Getty. Parce que je sais qu'on a là-dedans, on a... C'est où? Voilà, push mirror. Donc ça, on a le truc. Et c'est là-dedans, on va avoir besoin de ça. Hop, et voilà, il y a le lien de la doc. Use case, you migrate it to me, Getty, you need to keep pour project in another source. Ok. Alors, non, on n'est pas push to remote. Voilà. Create repository, URL, authentication. Alors, setup a mirror. Create GitHub, personal access token. Public repo, checkbox. Ok. Créer un repo avec le nom GitHub. Ok. Ok, donc on va aller se taper. Est-ce que c'est à peu près le même truc? Oh, fine grain, personal access token classique. Je pense que c'est ça. Du coup, on est connecté. Alors, je vais aller. Ça va être dans les settings. Ça va être dans developer settings. Personal access token classique. Generate new token classique. Et j'ai replanté. Sérieux? Non, je suis là. Ok. Putain, j'ai eu peur. Donc on a dit public repo. Up token. Gitty. Synchronize. Expiration, on va en mettre nous. On va le tester. On va le re je le referai plus tard pour pas toucher au truc. Ok. Donc là, je vais décaler ça là. Je vais cliquer sur Generate. Ça. Il va être copié. Je vais me le copier par ici. Voilà. Comme ça, vous le verrez pas. Hop. Ensuite, il faut
Alors, tiens, revenir là, s'il te plaît. Merci. Alors, on va refaire le OVH d'Inhost Helm. Donc, on va la créer qui s'appelle OVH d'Inhost Helm. Ok, description. On va reprendre la même description. Hop, que là. S'embêter, c'est un public, on va pas de git ignore, créer, hop, même pas de licence, un truc à l'arrache. Alors import non push, oui donc ça c'est si okay, on est dedans, il n'y a pas de souci avec du HTTPS. Alors du coup suite de la doc, ça c'est fait. Ensuite From Gitty to GitHub. Git remote. Ok. Ok. Sync when new commit lar push. Ça c'est cool. Donc on va le faire. Alors du coup, on a dit qu'on s'était dans les push. Là-dedans. Donc il nous faut l'URL. L'URL, c'est celle-là. Hop. C'est celle-là pour être précis. On va pas se planter. Git remote. Username. Hop. Le password. Voilà. Donc là, il fait ça bien. Donc moi, je prends ça. Je prends ça. Parfait. Mirror intervalle. 8 heures. Allez, 8 heures. Ensuite, advanced settings. Ça, c'est pour le reste du truc. Donc on va faire add push mirror. Qu'est-ce qu'il nous dit? Settings updated. Ok. Ensuite là, normalement, il n'a rien fait. Voilà. Et donc là, si on clique sur Synchronize, Synchronisation in progress, Check back in a minute, et on a le code. Et voilà. Donc on a notre code synchronisé. Et donc là, on va même pouvoir tester. Vite fait, tiens, d'ailleurs, j'ai fait une. Ah bah, ça tombe bien, je cherchais un commit à faire pour le. Je vais y arriver. Oh, yes. Voilà, pour tester la synchro au push. Et comme ça va être nickel. Alors, on a ça. Du coup, si on fait ça, il va nous dire. Oula! Oui, j'ai fait un. Je suis énervé là. Oui, il a bien mis en surbrillance ici. Ok. C'est vrai que j'ai fait ce setup là. Faut que j'en parle un jour. Il n'y a pas de retour à la ligne. Effectivement, il n'y a pas de retour à la ligne. Là, si je fais ça. Ok. Alors. Là, je fais un git push. Il me dit qu'il la process. Parfait. Et du coup, si je vais directement sur GitHub et que je rafraîchis, j'ai bien mon release name à jour. Et voilà. Donc, c'est très simple. C'est très très simple. Je ne sais pas si on y aurait moyen. Parce que là, par défaut, le problème, c'est qu'on crée un token. Après, j'ai créé un token classique. Je ne sais pas si on pourrait avoir un token qui serait spécifique à un dépôt. Ça, ce serait peut-être plutôt du type de deploy keys ou ce genre de choses. Peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Ça, c'est pour. Non, ça, c'est pour les intégrations. Mais voilà, en gros, l'idée ce serait de d'être sûr que les credentials qui sont configurés au niveau du repo
ne puisse fonctionner que pour le repo cible. Alors par contre, on voit qu'une fois que ça a été enregistré, on ne peut plus toucher aux credentials. On ne peut que supprimer le truc. Voilà. Donc, faut supprimer, recréer quand on veut le faire. Enfin, voilà. C'est passé comme ça. Donc, ça me va. Le dépôt, lui, de façon, moi, en local, il va être retouché. Le code risque d'être retouché. Je pense qu'à mon avis, à un moment donné... Alors même si je balancerai pas là-dessus, il y a de grandes chances que quelqu'un me dise « c'est dégueulasse !» Donc, je vais vous remettre le lien, là, dans le chat. Hop. Du dépôt GitHub. On va reprendre, hop, le lien de la doc, parce que je l'avais pas mis. Je l'ai montré, mais voilà. Vous voyez, c'est particulièrement simple. Il suffit de suivre les liens et ça marche. Bon, moi, je sais que le token, là, du coup, celui que j'ai créé, va mourir dans une semaine. Il faudra que je le reparamètre. Mais sinon, on est bon. Voilà, voilà. Et donc, je vous cache pas que je suis un peu claque. Je pense que je vais vous laisser ça pour ce soir. On est arrivé au bout du truc, parce que c'est à peu près la même, hein, c'est-à-dire que on doit aller créer un token GitLab, et hop, s'il te plaît, et une fois que c'est fait, bah, on remplit de la même façon les credentials, le username, le password, enfin le token dans le OAuth2. Non, c'est OAuth2, username et personal access token. D'accord, en password. Et une fois que c'est fait, bah, ça pousse. Donc en fait, bah, vous pouvez configurer ça et vous pouvez pousser sur X miroir comme vous le voulez. Alors, par contre, ça ne va fonctionner que dans un sens. Si vous voulez, si jamais il y a quelqu'un qui commit quelque chose sur GitHub, ça ne va pas repousser sur votre Giti perso. Si vous voulez faire ça, dans la mesure où vous n'avez pas éclaté l'historique local, en tout cas sur Giti, vous pouvez juste pull le contenu de GitHub et repush sur le Giti. Et ça aura refait la synchro si vous voulez accepter les contributions sur GitHub. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. En tout cas, voilà. Ça va être bon pour moi. Alors oui. Par rapport à il y a 2 semaines... J'ai pas encore publié la vidéo sur YouTube, parce que c'était juste une boucherie, hein. On a tout cassé. Ça m'a tellement dégoûté que j'ai même pas encore réinstallé Proxmox. Je sais même plus parler sur le micro-serveur. Il a pas été rallumé, il est encore branché sur le bureau, hein, vous voyez. Je vais remettre la webcam. Ce qu'on a fini. Il est encore là, il est encore branché, mais il n'est pas allumé et je n'ai pas refait l'install depuis. Surtout que le week-end dernier, je n'étais pas là. Et du coup, il faut que je change de dossier, de fauteuil. Et donc j'ai pas encore balancé la vidéo. Je pense que je vais quand même la mettre. C'est malheureux, mais il faut aussi montrer quand il n'y a rien qui va. Ça, c'est pas plus mal. Je pense que je vais faire tout ça ce week-end. Voilà. Je suis toujours autant à la flemme de faire des miniatures, donc on verra ce qui passe. Comme d'habitude sur Twitch, ça va disparaître dans 15 jours. Et la semaine prochaine, je sais pas encore. On a toujours une énorme liste de trucs que je voudrais faire. Certains vont
Peut-être devoir courir sur plusieurs épisodes. Voilà. J'hésite entre attaquer le rafraîchissement du cluster 4S, de ce qu'il en reste, ou se lancer dans l'écriture de bots et d'interactions Twitch, de notifications pour OBS et du bot pour le chat. Et plutôt que d'aller juste créer des énièmes comptes sur des outils tiers, StreamElements, Streamlabs et tout petit en quanti, vu que Twitch propose son API, je voudrais tester, voilà, de le faire moi-même. On verra avec quoi on arrive. Dans un premier temps, peut-être faire un petit bot pour le chat. Histoire de faire tourner des liens et être capable de gérer des commandes pour afficher le sujet du live, ce genre de choses. Quand on regarde comment on le fait de base, et après comment on se fait un truc un peu plus beau avec du paramétrage, etc. Histoire de se mettre bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis bonne soirée à tous. Bonne fin de soirée. Moi, je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Et puis on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Voilà. Ciao, ciao.